Bonjour, une autre vidéo sur les problèmes d'endormissement ou de sommeil des enfants, pareil à partir de 3, 4, 5 ans. Il y a des enfants qui sont très 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 malins et qui ont compris comment on faisait les bébés. Mais oui, c'est une question qui se pose vers 3, 4 ans. Alors ils ont souvent trouvé une réponse, peut-être pas avec vous, mais avec la maîtresse, avec quelqu'un d'autre, un grand frère, une grande sœur de quelqu'un. Et donc, ils savent qu'on fait les bébés dans la chambre, dans le lit de papa et maman. Et donc, ils ne veulent pas de petits frères ou de petites sœurs. Hein. Ça arrive, il y en a qui en veulent, mais il y en a pas mal qui n'en veulent pas. Ils veulent rester l'enfant unique, l'enfant chéri, l'enfant merveilleux. Et donc, ils vont empêcher notamment la maman d'aller rejoindre le papa dans le lit. Donc, ils vont demander à dormir contre la maman, que la maman lui tienne la main pendant tout l'endormissement, voire toute la nuit. Ils viennent se faufiler dans le lit pour empêcher papa et maman de faire des câlins d'amoureux. Voilà. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont trouvée pour que vous ne fassiez pas de deuxième. Et croyez-moi, ça marche parce qu'ils arrivent à épuiser suffisamment les parents pour qu'il n'y ait pas beaucoup de libido dans le couple. Donc dans ces cas-là, c'est assez simple, eh bien, il faut vous forcer devant lui à faire des câlins, à faire des bisous d'amoureux, à se tenir par la main, à dire que vous êtes amoureux, que vous êtes très très amoureux. Et déjà, ça, ils vont se dire « bon, j'ai pas beaucoup d'espace, je peux pas vraiment piquer la place ». Et puis être clair, soit c'est « on veut pas d'autres enfants, tu seras le seul ou tu n'auras que deux », comme ça, ça rassure les enfants, ou les prévenir, de toute façon, il y aura un petit frère ou une petite sœur, et comme ça, ils se rendent compte que ce n'est pas eux qui commandent. Voilà, les enfants sont très malins, et donc ça peut être une stratégie pour eux, en vous empêchant de passer une soirée en amoureux le soir, en vous empêchant d'être dormir que tous les deux, pour qu'il n'y ait pas de petit frère ou de petite sœur. Donc soyez clair sur l'amour que vous vous portez, soyez clair sur il y aura d'autres ou il n'y aura pas d'autres enfants, et vous verrez qu'il y a certains troubles d'endormissement qui vont se calmer tout seuls, sans faire de thérapie, sans que ça aille plus loin que ça. Voilà. Discutez bien avec vos enfants.